Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la valeur Nicox. Alors, du nouveau par rapport à la précédente analyse, puisqu'il semble que les cours aient décidé d'aller vers le bas. Effectivement, nous sommes sortis de la grande fourchette d'Andrews marron, ce qui montre la fin du support graphique qui accompagnait le mouvement depuis les plus bas. Parallèlement, il semble maintenant que nous soyons à l'intérieur d'un grand canal bleu descendant dont le ralliement de la borne basse invite les cours aux alentours de 6,8 euros. Cela correspond d'ailleurs précisément au support vertical, support horizontal en pointillé vert. Il y a donc de fortes chances pour que ce soit un objectif tradable. Légitime. Un petit coup d'œil au niveau des indicateurs techniques montre qu'il y a une subite dégradation puisque le MACD a croisé son signal à la baisse, de même que le stochastique. Le momentum, quant à lui, est en zone négative. Enfin, nous sommes clairement situés en dessous de la moyenne mobile 20 séances, c'est la courbe en rouge et vert, et cette configuration ne préjuge rien de bon pour la suite. Alors, comment trader Nicox? Je pense que si on envisage d'acheter, il est intéressant d'acheter sur ces niveaux avec pour objectif la résistance à 10,9 et un stop loss en dessous du support à 6,8. Le ratio gain-risque n'est pas terrible. À l'inverse, si on pense qu'il vaut mieux privilégier le trading vendeur short, ce qui est intéressant probablement à faire, c'est de shorter sur ces niveaux avec pour objectif le ralliement du bas du canal bleu avec un stop loss en cas de réintégration de la fourchette d'Andrews marron, ce qui donnerait un excellent ratio gain-risque. On peut enfin faire un short technique avec un stop loss au-dessus de la moyenne mobile 20 séances et pour objectif, donc un objectif dynamique qui serait la Bollinger inférieure, c'est-à-dire la partie basse de l'enveloppe mauve qui enveloppe les cours. Voilà, personnellement, je vais donner la priorité aux impulsions baissières, c'est-à-dire au trading short. Voilà, bon week-end, enfin bonne semaine et bon trade.